Dis donc Juliette, t'as l'air en pleine forme. Bah oui Mounir, je sors d'une réunion GRDF. Ils ont créé une communauté de clients avec des rencontres tous les 6 mois. C'était super intéressant. Ah oui, mais en quoi ça consiste cette communauté? On se réunit pour rencontrer leurs équipes et on réfléchit ensemble à comment améliorer l'expérience client. Mais c'est super! Oui, on a vraiment l'impression d'être écoutés et associés. Ok, mais concrètement, quelle amélioration vois-tu? Eh bien, par exemple, avant j'étais limitée pour joindre GRDF. Maintenant, grâce à mon espace client GRDF, disponible sur mobile et web, j'ai toutes mes informations en temps réel. C'est super tout ça, mais tu sais, moi je suis pas très digital. Alors ces améliorations, ça ne me touche pas vraiment. Hein. Mais si, bien sûr, t'es concerné car GRDF te laisse le choix. Téléphone, mail ou espace digital, c'est toi qui vois. Mais qu'est-ce qu'ils font de toutes nos données personnelles? C'est pas un peu dangereux ça, non? Non, aucun risque. Tout est très clair. J'ai un accord avec eux sur les données qu'ils peuvent utiliser et celles qui nécessitent mon autorisation. Bah dis donc, tu dois avoir drôlement confiance en eux. Oui, bien sûr. Ils font tout pour être exemplaires sur la protection des données. D'ailleurs, ça fait partie de leur mission de service public. C'est super. Des outils simples, modernes, des données protégées. Mais quand ils interviennent chez toi, tout est aussi rose? Tiens-toi bien. C'est vraiment leur force. On sent bien que l'entreprise prend soin de ses salariés, les responsabilise, et ça, ils nous le rendent bien. Ils sont très professionnels et réellement à notre écoute. Et cette culture client, on la sent aussi chez leurs prestataires. Eh ben dis donc, une entreprise qui t'écoute, t'associe et te simplifie la vie, ça donne vraiment envie.